7 minutes trop. On va se trouver pour un unboxing de chez Maxi Scoot qui a déjà été ouvert pour voir si c'était déjà ce qu'il y avait. Et c'est le bon colis. C'est ce qu'on attendait tous. On va juste retirer cette merde là. Mais écoute, par contre, ça va être le bordel total. Tu fous ça par terre? Bah ouais, même la caisse, mais le truc. Merci. Ça commence déjà. Bien protégé, hein, comme vous voyez. Ouais, mais attends, comme c'est bordel. Faut regarder s'il y a pas les. Les autocollants, non? Ouais. Il y en avait plus, hein, là. Il y a plus de protéines. Pas de chocolat. Là, il y a des protéines. Non, il n'y aura pas, ils sont aussi dans le fond. Là, on ne sait jamais parce que mes couilles, quand je commandais avant, il était peut-être dedans. Ça, c'est magnifique, c'est ce qu'on attend le plus. J'ai foutu la mer. Un bon pneu sa mère. Pour l'arrière. Pour l'arrière. Michelin. On va laisser comme ça, au moins quand ils vont le monter après, ben. Ouais. Michelin. Du bon pneu. Bonne marque, hein, ça. Du coup, il faudra faire un petit rodage de pneu pour que ça accroche la route. Le petit top rose. Le petit monobloc, la petite bête monobloc, hein, parce que une bougie qui va avec, du ride bleu, autocollant Maxi Scoot, bougeon Naraku, enfin, bazar, ouais, filtre à essence, petits autocollants pour faire plaisir. Non, la facture, non, on montre pas. Pas. C'est gris bleu anodisé. Ça regarde personne, gris bleu anodisé. Il y en a une qui a déjà été un peu pétée. Ouais. Re autocollant Maxi Scoot. Ah bah, non, c'est le même. C'est ce que j'avais déjà montré. Et en plus, c'est même pas qu'ils m'ont offert des autocollants avec. Mm-hmm. J'en ai acheté, ils m'en offrent même pas. Peut-être qu'ils ont mis là-dedans. Mm-hmm. Ouais, parce que le gris, je l'avais pas. Le gris, j'ai pas commandé. Mm-hmm. C'était des blancs. Ah ben, c'est tous des gris en fait. Ouais. Pourtant, sur la photo, c'était des blancs. Bon, on va faire ça et on va déballer. Ouais, les griffes, t'es pas obligé de déballer. Bah si, on va commencer. Mais non, démonte. Retire-le. Non, on va commencer tout ça vite fait. Gris bleu anodisé. Qui sera pour le poteau et une moitié pour moi, comme j'en ai déjà pris. Merci. On va commencer par les petits autocollants Maxi Scoot pour les retirer tous, comme ça on voit un par un. On finira par le kit. Bah ouais, on finira par le kit. Le plus important. Tiens. Et merci. Tiens. Merci. Là, ils sont pas comme sur la photo. Là, à la base, ouais. Ils sont blancs. Et là, ils sont blancs. Blanc et noir. Ouais. Ben voilà, une petite pochette plus un petit kiff. C'est vraiment ça. Hop. Ouais, en fait, on voit que dalle. Des petits boulons de goujons. Des écrous. Ouais, écrous, boulons, c'est le même. Ils sont bien beaux au débat. Ouais, franchement, et en plus, ils sont de bonne qualité. Des gros bazars. Au moins, on est sûr que pour le kit, ça tient. À la base, le filtre à essence, je devais le prendre en bleu. Mais il n'y avait pas bleu, donc je l'ai pris en vert. Petit filtre à essence, au calme.
Les petites durites bleues. Les durites, je pensais qu'ils allaient faire plus bleu que ça, enfin un peu plus clair. Ouais. Mais c'est du bleu foncé. Un mètre. Il y aura assez pour le nitro. Ouais, ben ouais. Ouais, je crois. Ouais, bah ouais, il y aura assez. Bah, il faut la dépression aussi. Bah ouais, je sais, c'est pour ça que j'ai fait moitié-moitié, c'est ce que je vais faire. Je vais faire 50-50. Mmh. Hop, on va mettre ça. Dernier. Bah ouais, tiens. Ouais, mais mets-le dedans. Mais non, mets-le pas dedans, mets-le, tiens. Garde le tien sur toi. Déballage du petit kit. Voilà, dégâts, déballage du top. Du top rose. Prends un tournevis. Ben non, le big vient d'acheter des. Le type il vient d'acheter des cutters et il les a déjà plus. Ça va être le bordel, hein, c'est déjà caché avec. Vieux scooter de merde, mais au moins ça fait l'affaire. C'est la mono, c'est pas la double. Le petit joint. Ils ont changé leur autocollant. Mm-hmm. Ben non, moi j'avais le même, mais en ovale. Bah ouais, en gros. Mm-hmm. C'est pour ça que je dis qu'ils ont changé les autocollants. Culasse. Ça fait plus violet que rose. Mm-hmm. Mais comme maigri. Bah ouais, mais elle est belle. Le petit piston mono. En alu. Kit fonte, piston alu. Il n'y a pas non plus comme sur la photo. Enfin, comme sur les photos à la base, il doit être un peu plus. Il doit être comme ça à la base. Un segment. Mm-hmm. On a tous déjà vu un segment donc. Collier de serrage, bouchon, et ça c'est pour si vous mettez la sonde. La sonde, et ben voilà. Donc, comme moi je ne vais pas la mettre, je vais mettre le petit. Mm-hmm. L'axe de piston. Bon, l'axe de piston. Avec les joints. Ouais, c'est quoi ce clip? Ils ont changé. Mais non, ils n'ont pas changé, c'est l'éclipse comme lui là. Mm-hmm. Par contre, je vois pas pourquoi ils ont mis une rondelle. Ben c'est les rondelles pour. Ouais, pour ici. Ah ouais. Pour là, il est. Et où est-ce qu'il est, le petit? Il est là. Ouais. On l'avait même pas vu, c'est tellement qu'il est. Je vais aller. Vas-y, comme ça, vas-y. Le plus beau, où il transfère, en fonte, peut développer certains chevaux, avec une config. Très beau kit. Par contre, ça casse les couilles quand même avec leur. On n'a pas les meilleurs kits, nos frères. On a des bons kits. Les meilleurs scouts des. Franchement, les transferts, ils sont bien travaillés. Ouais, par contre, là, si je le laissais dedans, lui. Mm-hmm. Ben voilà. La petite présentation est faite. Tu viens tout droit de chez Maxi Scout. Tu vas le monter aujourd'hui? Bah ouais, je vais le monter aujourd'hui. Bah vous aurez une vidéo tantôt quand il tournera. Un bon petit kit complet. Bon ben on se retrouvera pour un démarrage, premier démarrage du Top Rose. Sur tantôt. Ce, on se dit à la prochaine.